C'est dans une ambiance électrique que Marie Assommant et Houmant a été sacrée As de la Palme 2024. La quarantaine révolue, la lauréate est planteur de palmiers à huile depuis 15 ans à Enya, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Propriétaire d'une plantation de 15 hectares, Marie Assommant et Houmant repart avec un tracteur de 75 chevaux, une remorque de 7 tonnes, un tricycle à remorquage, 10 tonnes d'engrais, du matériel agricole, une dotation en huile de table, devenant ainsi la première femme à remporter ce prix. Je suis très contente d'avoir cette voiture. Très, très contente de la PAMC. Et je serai toujours fidèle à la PAMC. Je félicite mes camarades femmes de cultiver comme moi. Parce que la plantation, ce n'est pas la force, c'est avec le courage qu'on travaille au champ. Initié par la société Palmcy, les acteurs de la filière ont été récompensés dans différentes catégories, notamment petits planteurs, grands planteurs, femmes planteurs, acheteurs, transporteurs, sociétés coopératives et villages. EUDR, défis et opportunités dans la chaîne de valeur agricole, cas du palmier à huile, tel était le thème de cette édition. Je crois qu'il est de mon devoir de rendre hommage à cette importante société qui non seulement fait un travail remarquable pour redorer le blason d'or, comme on le dit, de la Côte d'Ivoire, mais également contribue à la sécurité alimentaire de notre pays. Cette journée a rassemblé à Divo 650 acteurs de la filière venus de toutes les régions, dont 200 du Lodjibwa. Elle a pris fin avec une séance de planting d'arbres et des panels.